sais pas. Ils étaient au tiers. Tu sais, j'ai jamais compris cette discipline parce qu'à chaque fois, ils vont au tire-fesse. Je comprends pas pourquoi. Salut tout le monde, bienvenue sur Setup GT7 Gamepad. Alors aujourd'hui, on va voir le setup de la Nissan GT-R en Nice Mode GT500 2016 en groupe 2 EDP. Alors on passe à la hauteur de caisse, 60 à l'avant, 70 mm à l'arrière. Voilà, donc comme ça, si elle est plutôt stable, il n'y a pas de problème d'instabilité. Là, donc j'ai mis à 60 comme ça. Pour éviter l'instabilité, justement, je trouvais qu'elle était un petit peu instable en mettant un peu plus bas. Là, 70, il n'y a pas de problème de survirage, donc là, c'est nickel. Voilà. On passe à la barre anti-roulis, 10 à l'avant, pour que la voiture puisse tourner correctement. Étant donné qu'il n'y a pas de problème de survirage, on la met à fond. 9 à l'arrière, un peu moins dur. Voilà, il n'y a pas de problème de survirage, donc voilà, là, c'est parfait. Au niveau de la compression, une compression lente à l'avant, 20 et 20 à l'arrière également. Et au niveau de l'extension, 50 à l'avant et 50 à l'arrière. Ce qui fait 20-50 pour l'avant et 20-50 pour l'arrière. Voilà, s'ils pouvaient prendre les vibreurs correctement sans perte de contrôle, hein, vous allez voir, c'est parfait. Voilà, on passe au niveau de la fréquence naturelle. Une fréquence naturelle souple, 3,63 à l'avant pour que la voiture puisse tourner correctement. Donc évitez de la mettre trop souple non plus, sinon si vous mettez un peu plus souple, vous verrez, elle sera un petit peu instable. Donc 3,63, c'est un bon compromis. Elle tourne très bien comme ça. Et 3,73 à l'arrière, un peu plus dur. On passe au carrossage, 2 à l'avant, donc peu de carrossage, hein, et 2,5 à l'arrière. Étant donné qu'il y a un bon grip, je trouve, c'est pas nécessaire d'en mettre plus. Au niveau du pincement, au moins 0,10 pour avoir un petit peu de grip en entrée de virage. Et plus 0,20 pour la stabilité en sortie de virage. On passe au couple, donc 20 à l'arrière, accélération 20 et sensibilité de freinage 40. Donc un freinage pas trop incisif, elle freine plutôt bien, donc comme ça c'est pas mal. Alors au niveau de la boîte, donc au niveau du réglage manuel, vous allez mettre votre vitesse finale à 3007 ici. Une fois que votre vitesse finale sera à 3007, vous ressortez. Vous allez sur la vitesse de pointe automatique, vous la mettez à 320. Et une fois que vous avez fait ceci, vous remettez vos rapports comme cela. Voilà. 2506 pour la première, 2205 pour la deuxième. Voilà. 1969 pour la troisième, 1768 pour la quatrième. Pour la cinquième, 1607. Et pour la sixième, 1567. Hein. Voilà, comme vous pouvez voir là sur le graphique sur votre droite, hein, c'est plutôt bien espacé là. Donc voilà. Donc ce qu'il faut faire, hein, c'est éviter de. Ce qu'il ne faut pas faire, je veux dire, c'est éviter, mettons, entre la une
Et la 2, d'avoir un espacement qui serait trop important, quoi. L'idée, c'est d'espacer vos rapports de la même façon, quoi, pour que tout s'enchaîne. Voilà. Donc, c'est une voiture que j'ai vraiment appréciée. Voilà, donc je vous la conseille. C'est vraiment plutôt sympa, quoi. Le groupe 2, voilà, c'est quelque chose de sympa, hein. Donc, je vous dis à bientôt pour un prochain setup. Et puis, une bonne soirée. Salut. Bye.